Coucou Sandrine, eh oui, surprise, je sais que tu regardes. Coucou mon ami Pascal, coucou Christelle, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Eh ben moi ça va très bien, merci Christelle. Alors c'est curieux, je vois le coucou de Pascal Nicolas sur mon téléphone, mais pas sur mon ordinateur. Bonsoir Marie-Thérèse. Oui, j'ai enfin pris ma douche. Bonsoir Mireille, bonsoir Brigitte, bonsoir Carole, bonsoir Brigitte. Eh bien, il y a un peu de monde ce soir. Bonsoir Marie-Thérèse. Oui, bonne soirée à toutes et à tous et bienvenue dans ce format court. Le 33e live trucs et astuces de Scrap. Coucou ma catcoute, je t'ai répondu mais un peu tardivement, excuse-moi ma belle. Coucou Jojo. Oui, je vais très bien, merci, je suis en pleine forme. Voilà. Et vous, est-ce que vous êtes en forme? Alors, juste un petit rappel quand même. Je fais une commande groupée le mardi 30. Donc n'hésitez pas à me m'envoyer un petit MP si vous voulez bénéficier des frais de port réduits. C'est tout ce que je vous dis ce soir. Je vous en dirai un peu plus à la fin du live. Hop. Et on va attaquer la technique du résiste. Bonsoir Stéphanie. Toi, tu as la ménopause. Oui, d'accord. On le sait, tout le monde le sait. La terre entière le sait, mon ami Pascal. C'est pas grave, Sandrine, tu nous as manqué. Recoucou, Noël. Alors, je vous mets tout de suite sur mes mains et je vous explique la technique. Tu résistes. Voilà. Hop, vous voyez mon bazar. Et je vous explique tout sur cette superbe technique qui, je l'espère, voilà. Ah. Faut vraiment que j'investisse dans une deuxième caméra. Hein. Donc la technique du résiste, c'est en fait une technique qui consiste. Alors on ne voit pas terriblement bien. Ah, on voit mieux si j'approche. Oh, Pascal! Donc, cette technique consiste à embosser à chaud un motif sur fond blanc avec de la poudre à embosser blanche. Voilà. Ou avec de la poudre à embosser transparente. Mais moi, je trouve le résultat plus joli avec de l'embossage blanc. Et c'est le travail de fond qui va, avec l'ajout de la couleur ou des couleurs, qui va permettre de découvrir le motif embossé à chaud. Alors, j'ai déjà préparé. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite tache. Ici, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Toi, tu débranches tout. Ah, oh, quel humour ce soir, les filles. Et donc, j'ai embossé en blanc. Voilà, ça se voit un petit chouïa avec de la poudre à embosser blanche. Et là, avec de la poudre à embosser transparente. On voit bien la différence. Ouais, je sais pas si on la voit bien. Coucou Angélique, comment ça va Angélique? Et on va y aller. Alors ça tombe bien parce que je vous ai parlé des brosses estompes et on va les utiliser. Je voulais prendre mon Stampin' Spritzer, qui est un pchit-pchit, là, comme on dit, un pchit-pchit, un vaporisateur.
et je voulais mettre dedans un peu d'alcool modifié. Voilà, un peu d'alcool modifié non coloré. T'as pas vu de différence? Oui, c'est normal, Noël. C'est normal parce que l'éclairage n'est pas terrible ici. Et donc, on peut pchiter de l'encre. Si, il y a une différence quand même. Enfin, moi, je la vois. Celle-ci est beaucoup plus blanche que celle-ci qui est transparente. Alors, pour cela, je vous dévoile. Je vous dévoile un set de tampons de ma précommande, pensée affectueuse, qui va avec les poinçons pensée affectueuse du même nom, qui sont superbes. J'adore celui-ci, qui est magnifique. J'aime bien celui-ci aussi. Enfin, j'aime tout, moi, j'aime tout de Stampin' Up. Jusqu'à preuve du contraire. Allez, je vous remontre encore une fois, les filles. Donc, celui-ci. Voilà, alors attendez que je. Si je fais ça, est-ce que ça va? Non, ça va pas du tout. Si je fais ça, non, bah. Alors, c'est pas grave. Vous verrez la différence au niveau de la mise en couleur. Donc là, je vais utiliser mes brosses estompes ainsi que mon seau du plongeoir, qui est un vert bleu, et mon pêche précieuse. Merci Noël de me croire sur parole. Et mon pêche précieuse, qui sont les deux nouvelles incolores de la saison 2024-2026. Ah voilà, des poils de chat, ça faisait longtemps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Chibi n'est pas à sa place. Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit une chose qui ne lui a pas plu. Et du coup, elle est partie. Mince, je me mets encore. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Et du coup, elle est partie. Voyez, on voit les motifs. Alors, on ne les voit pas parce que je suis loin et je ne peux pas faire de zoom. Bon, je vais continuer, on verra les motifs après. D'accord? Elle est vesquée, oui, elle est vesquée. Allez, un petit rappel sur les brosses estompes. On y va progressivement. On décharge avant sur son papier de brouillon. Et on s'applique. Ça me fait penser que j'avais. Voilà, oui, c'est pas grave. Oui, elle est vesquée, comme tu dis. C'est une coquine. Et j'y vais progressivement en mise en couleur, tout doucement. Je déborde un peu sur le haut, mais je reviendrai avec mon pêche précieuse après. Elle boude, oui, elle boude. Mais je suis sûr qu'elle va revenir rien que pour vous dire bonjour. Ah non, elle est sur son perchoir. Ah. Excusez-moi, j'ai mal à la main. Ça, est-ce que ça vous arrive, tiens, de d'avoir des crampes au niveau des mains, qu'elles se bloquent?
en position fermée. Non, là, elle viendra pas, Phoebe, parce qu'elle est sur son perchoir derrière moi. Et elle a toute la maison sous son regard. Oui, très souvent, Jojo. À toi aussi, Noël. Ah oui, ben, là, ça m'arrive, là. C'est terrible, hein. Ça me faisait pas encore sur la main droite. Mais alors là. Et c'est dû à quoi, les filles? Parce que je fais un peu d'arthrose et je me demandais si c'était pas de l'arthrose. Alors, je vais déborder mon pèse précieuse s'il veut bien. Voilà. Ah, peut-être un début de canal carpien. Ben oui, mais ça ne me ferait pas aux deux quand même. Bon, enfin, toujours est-il que quand je verrai mon médecin traitant, c'est-à-dire en 2025, je lui poserai la question. Ah, Mireille, tu penses aussi que c'est le canal carpien? Ah, c'est. Ah, nom de Dieu! Ah, bah, si c'est les deux mains avec le canal carpien, bonjour! Ah non, fait pas beau vieillir, hein! C'est l'arthrose de la scrapeuse! Ah, t'as de l'arthrose déformant, ma Jojo. Bah dis donc, je te plains. Oui, ça fait très très mal. Alors, je vous fais voir en essayant. C'est quoi des orthèses, Sandrine? Aïe, aïe, voyez, c'est bloqué, je peux pas le débloquer. Ah. Ah, oh, bah alors! C'est de l'arthrose! C'est quoi des orthèses? Bonsoir Aurélie! Donc vous voyez, c'est très délicat. Ah voilà, on voit bien que c'est blanc. Donc le résiste, c'est ça. C'est embossé à chaud avec de la poudre blanche. Et ça donne ce rendu-là. Donc on peut pchiter son encre. On peut, avec, comme je l'ai fait, avec les brosses estompes, ajouter de la couleur, et c'est la couleur qui révèle le motif. Oh là là, c'est impossible. Ah. Eh ben dis donc, faut souffrir, hein, pour scraper les filles. Et vous allez voir la différence avec la poudre transparente. Oui, c'est très joli, c'est Marie-Thérèse, comme tu dis. Moi, j'aime beaucoup. Ça donne un effet très doux, très pastel. En plus, j'ai pris des teintes pastel et j'ai pas trop mis d'encre, donc j'ai pas trop forcé sur la colorisation. Oui, c'est comme des crampes. Tu résistes plus, ma quatre-coutes. Ok. Je te fais des gros bisous, ma quatre-coutes. Et vous allez voir, je mets en couleur le vert pour vous faire voir par transparence.
On voit un peu, mais c'est pas tout à fait le même résultat. Parce que comme le nom l'indique, la technique du résiste, c'est que là où on a embossé à chaud, ça résiste. Bonsoir Caroline. Ah, ça me fait plaisir de te voir Caroline. Donc ça résiste à la couleur que l'on est en train d'appliquer. Ok, ben je demanderai aux pharmaciens si on peut les avoir sans ordonnance, les orthèses ou les attelles. Aller voir un ostéo, oui, bah ouais, pourquoi pas. Je suis allée voir un rhumatologue pour une infiltration il y a 10 jours. Je lui en ai parlé. Elle m'a dit, ben voyez avec votre médecin traitant pour faire des radios. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est pas cool, hein? Alors c'est curieux parce qu'on voit plus. On voit plus avec la transparente, à moins que je me sois trompée. Non, c'est pas possible que je me sois trompée. C'est bien la transparente. Voyez, on voit un peu plus. Alors peut-être vais-je foncer un peu la poudre blanche. Ah, les détails, ils vont pas être déçus avec mes gros boudins, hein. Et après, si vous le souhaitez, on va finaliser notre carte. Mais si vous le souhaitez. Bonsoir Isabelle. C'est pas grave Isabelle, il n'y a pas de retard dans les lives. On parle donc de la technique du résiste. Est-ce que tu connais Isabelle? Alors, plus on met de la couleur, plus les motifs embossés en blanc ressortent, bien sûr. Alors, Christelle, tu dis oui pour faire la carte? Ça vous embête pas? Parce que normalement, c'est un format court, les lives trucs et astuces. Alors, on voit quand même une petite différence, vraiment très très légère. Voyez? Et donc on va faire, est-ce que je rajoute un peu de vert bleu? Ah, j'ai bien envie d'en rajouter. Alors j'y vais. Comment vas-tu, Isabelle? Alors heureusement, j'ai préparé mes bases de cartes et je n'aurai plus qu'à mettre mon sentiment. Ah, vous voyez bien la différence. Bon, ça me rassure alors. Voilà, c'est pas mal ça comme effet. Voyez? Ah, tu rentres tard en ce moment, ma pauvre. Oh. C'est joli, hein, comme technique. Eh bien, je vous mets au défi de faire cette technique et de le mettre d'ici à mardi sur le groupe Facebook.
sur mon groupe Facebook C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up de faire une carte avec cette technique et de la poster. Allez, c'est un défi que je vous lance. Est-ce que vous le prenez au vol ou est-ce que vous ne le prenez pas? T'adores le rendu, Marie-Thérèse? Super. Je ferme mes encres pour éviter de faire des bêtises. Et j'ai vu qu'Isabelle, t'as les moyens. Oh, Isabelle Dick, pas Isabelle Stey. Tu relèves le défi, Christelle. Super. Alors, c'est ce que je disais, Christelle. Ça ne se voit pas forcément beaucoup avec les moyens techniques que j'ai. Ici, c'est embossé en blanc. Et ici, c'est embossé en transparent. La différence n'est pas éclatante à la vidéo. Ici, transparente. Ici, poudre blanche. Oui, il faut de la poudre à embosser blanche, Noël. Oui. Alors, vous pouvez effectivement faire d'autres couleurs pour embosser, mais c'est un peu dommage. Parce que la technique du résist, c'est vraiment de mettre en valeur le motif pour par soit de la transparence, soit du blanc. Vue relève. C'est quoi vue relève, Jojo? Donc, j'ai pris un format carré de base de carte de 10,5 par 10,5 et mon petit papier fait 9 par 9 parce que je voulais avoir un grand bord, un grand matage. Donc, on va faire les deux cartes rapidement. Tu relèves le défi, Jojo. Super. Isabelle, elle va essayer demain. Super. Vous êtes choux, les filles. Je dis bien les filles parce qu'il n'y a pas de garçon en ce moment. Mon choupinet. Oh, le bazaroum. Mon choupinet se fait désirer. Tu relèves le défi, Sandrine. Super. Eh bien, c'est super. Eh bien, pour toutes celles qui relèvent le défi, qui me l'ont dit jusqu'à présent, vous aurez une petite surprise dans votre boîte aux lettres. Et voilà. Ta-ta-ta. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Tu embellis ma vie, c'est joli ça comme sentiment. En plus, c'est joli avec le... Allez, on va prendre tu embellis ma vie. Et du coup, je vous fais voir vite fait d'autres poinçons du nouveau catalogue. Défi accepté, Caroline. Super. C'est pas grave si c'est dimanche. Vous inquiétez pas. Alors, je vous fais voir les poinçons que j'adore du nouveau catalogue. Amour sans limite. Regardez-moi ces jolies étiquettes. Toutes plus jolies les unes que les autres.
Et pour ce sentiment-là, tu embellis ma vie, il me faut quand même. Hop. Une étiquette qui soit relativement grande, mais pas trop. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, à vous de choisir. Dites-moi lequel. Oui, il est superbe ce set de die. Ça me fait penser, Isabelle, je t'ai pas envoyé le catalogue. Oh là là là, la honte! Je te l'envoie dès demain, Isabelle. À moins que je te l'ai envoyé déjà. Je sais plus. Oh, la honte. Est-ce que je te l'ai envoyé, Isabelle, le catalogue? Je note en même temps. Alors, j'arrive, hein. Le sentiment, je vais vous le mettre sur un bloc acrylique. Il est relativement grand, mais alors, pourquoi il y a du washi, du masking tape sur mon tampon, sur mon tampon mousse? C'est parce que tout simplement, ils sont difficiles, enfin moi je trouve, à décoller. Voyez, une fois qu'ils sont collés sur ma jaquette, ils sont plutôt difficiles à décoller, ce qui fait que quand je les prends par là où il y a le washi, ça vient tout seul. T'as pas reçu? Non, mais je suis sûre que je te l'ai pas envoyé, Isabelle. Je suis une nulle. Nulle, nulle, nulle. Je te l'enverrai dès demain. Donc voici le sentiment. En bas à droite, celui-ci, Sandrine. Celui-ci, celui-ci. Celui-ci, ça va pas aller, Sandrine, parce que le sentiment est trop grand. Le ovale est bien, le ovale. Parce que celui-là aussi est bien. Mais le ovale est un peu grand, je trouve. L'ovale? Ah, des tampons aussi sont très chouettes, oui. Ah, Aurélie aussi relève le défi. Mais tu vas tricher, Aurélie, t'as déjà fait cette technique, coquine. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre ma mini-machine. Je vais pousser un peu tout ça. Je vais prendre un bout de papier blanc. Voilà. Je vais mettre cet ovale-là pour commencer. Impeccable. Alors, cocotte, tu veux bien y aller, c'est super. Celui à gauche, oh, il y a vraiment un super gros décalage. Alors, je vais faire les deux, vous les filles. Comme ça, il n'y a pas de jaloux et on verra celui. Ah oui, mais alors, est-ce que ça va rentrer dedans? Ah, c'est trop petit. Ça va pas aller, ça rentre pas dedans. Celui-ci, ça rentre pas dedans. T'as pas tout ça, Marie-Thérèse? Oh! T'as pas de poudre à embosser?
Ah. Alors du coup, je vais prendre, mais il va être grand, je trouve, hein. Ouais, il mange la moitié de la carte. Non, bah du coup, tu embellis ma vie, je vais pas le prendre, hein. Ça fait trop, ça mange trop la carte. Et si je mettais cher ami? Ou joyeux anniversaire? Cher ami, ça peut être pas mal ça, cher ami. Hop, ça je le garde pour un prochain. Puis ça va pour tout le monde, cher ami. Non? Du coup, ça va bien avec celui-là. Et je ressors. C'est bien, cher ami. Oui, c'est trop grand. Oui, bah oui, ça mange toute la carte. Ou alors, je devrais faire une carte plus grande. Allez, j'en ferai une cette nuit. Non, je pense que je vais dormir cette nuit. Parce que je suis réveillée depuis 2h30 du matin, les filles. Et c'est comme ça que je fais des bêtises à ne pas envoyer le catalogue à Isabelle. Allez, ma cocotte. Cher ami, d'accord, super. Alors, est-ce qu'il va tenir le cher ami là-dedans? Oh oui, largement. Allez, on va voir ce que ça donne. Si, si, il y a des fois, je dors 10 heures, Sandrine, d'affilée. Quand je fais des nuits d'insomnie, ça m'arrive. Non, non, les filles, ne me plaignez pas, mes nuits ne sont pas forcément courtes. Oh, bah c'est pas mal ça. Et si je mettais aussi un petit... Allez, est-ce que ça vous plaît comme ça? À toi aussi, Jojo? Allez, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi tout, je patiente. Comment ça a été ta journée au fait, Aurélie? Oui, très bien, oui. Oui, ça vous plaît? Ok. Alors, je ne vais pas prendre le transparent, je ne vais pas faire les deux parce que, encore une fois, c'est un format court. Et je vais le tamponner en quelle couleur? Eh bien, en saut du plongeoir. Pour rappeler. Ah oui, c'est vrai, Isabelle, c'était la pleine lune. Alors, voyons voir. Je m'applique. C'est peut-être un peu penché, mais ça ira bien. Hop, je referme pour pas faire de bêtises, parce que j'en ai fait une en préparant le live, alors on ne voit rien, mais j'ai le doigt tout vert. Il n'est pas sale, il est vert. Je nettoie quand même vite fait mon tampon. Je vais mettre des estampines dimensionnelles
Où sont-ils, mes estampines? Allez. Hop. Il n'y a pas de blague ce soir. N'oubliez pas. Et Christelle m'a bien rappelé que c'était mardi et pas ce soir. Le concours de blagues. Oh bah dis donc ma pauvre Sandrine. Un doigt d'extraterrestre, oui, c'est ça, c'est E.T. Mais E.T. n'avait pas la main verte. Coucou Claire. Ah, j'avais pas vu que t'étais là, Claire. Tu vas bien? Ah non, j'ai pas du tout la main verte avec les plantes, les pauvres. Mais faut dire qu'elles font pas d'efforts du tout, les pauvres plantes. Elles ne collaborent pas, tout simplement. Alors, je vais mettre, vous voyez mon chiffon? Non, vous ne le voyez pas. Voilà. C'est mon petit. C'est mon petit cafouillage à moi quand j'ai voulu. Voilà. Alors, est-ce que je le mets là, comme ça? Non, c'est pas terrible ça. Hein. Je mettrai les bling-bling après, les filles. C'est pas terrible, mais si je fais ça, c'est pas terrible non plus. Et si je prenais. Hop, le ruban coordonné. On fait des essais, les filles. Hein. C'est du direct live. Ah, c'est comme ça depuis que t'as tes jumelles, hein, Sandrine? Ben, dis donc. Et elles ont quel âge, tes jumelles? Tu vas aller manger un petit chocolat? T'as raison, Marie-Thérèse. Surveille ta boîte aux lettres quand même, t'auras une surprise, Marie-Thérèse. Alors, quand tu veux, je me bats avec la protection du ruban. Ah, 14 ans! Ah bah oui, ça fait longtemps, hein. Allez, voilà, j'ai enlevé la protection. Enfin, je peux dérouler le magnifique ruban qui va avec. Ben, ce serait pas mal, ça, qui va donc avec la nouvelle Incolore Saut du plongeoir. Si je fais ça, tout simplement, et ça comme ça peut être très sympa avec les bling-bling qui vont bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, c'est pas droit parce que je m'applique pas. Alors, la première qui me répond, je fais. Oui, très bien. Allez, c'est parti. J'en coupe un petit bout. Hop. Merci Noël. Merci Isabelle, merci Jojo. Et je vais mettre du double face au dos de ma carte, enfin de ma carte, de mon fond de carte.
Voilà. Alors, je mets exprès des grands bouts. Mais c'est peut-être un peu haut là. Je l'ai mis un peu haut, mon double face. Bah oui, ça va faire ridicule si je le mets là. Non, il faut qu'il soit un peu plus bas. Allez, c'est pas grave, je le mets juste en dessous. C'est les aléas du direct. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de tri. Puisque je ne peux pas couper ce qui ne va pas au montage. J'enlève la protection de mon double face. Si je prenais mon outil touche à tout, enfin c'est pas en l'occurrence mon outil touche à tout, c'est, ben alors, c'est de un morceau de mon outil touche à tout. On ne citera personne, ben non, on ne citera personne, Noël. Voilà. C'est droit. Je vais mettre des estampilles dimensionnelles. Si ça veut bien venir. Voilà. Je vais en mettre. Oh, bah, il y en a deux qui sont venus. Un peu partout. J'en fais une consommation folle des estampilles dimensionnelles, des mousses 3D. Faut dire que j'adore le relief. Allez, j'en mets un là pour le plaisir, pour le fun, comme dirait l'autre. Et voilà. Mon petit outil touche à tout pour enlever mes protections. Vous avez le droit de raconter des blagues quand même, hein, même si c'est pas, même si on n'est pas mardi et que c'est pas le concours de blagues. Voilà, impeccable. Alors, voilà, impeccable. Je vais donc viser. Et voilà. Ça m'a pas l'air. Si, c'est droit. Bah si c'est droit, non mais. Vous les gardez pour mardi. Dakodak. Je vous préviens, mardi, c'est moi qui choisis la meilleure blague. Aura une surprise de ma part. Allez, les bling-bling. Ah ben note-les, Christelle, si t'as des blagues. Alors, voici les bling-bling, enfin une partie, hein, des bling-bling. Vous avez le choix entre ces bling-bling qui brillent, voilà, ou les bling-bling un peu plus mat. Je serais d'avis. Alors ça m'embête. Voilà, je le pose.
Est-ce que vous voulez les mats ou les brillants? Ceux-là qui brillent de mille feux, des vrais bling-bling. Ou les mats qui ne brillent pas, mais qui sont jolis aussi. Ceux qui brillent, vous voulez? Brillants. Allez, hop, c'est parti. Je réouvre. Alors, c'est une carte un peu clean and simple, parce qu'elle est vraiment très light. Et je ne vais pas mettre les pêches précieuses, celles-ci, mais plutôt les seaux du plongeoir. Celle-ci, on ne voit pas trop la différence à la caméra. Oui, hein, celle qui brille. Oui. Parce que là, ça fait vraiment jaune. Et là, mon pêche précieuse, ça fait plutôt pêche. Merci Noël, c'est gentil. Noël, elle frappe dans toutes les occasions. Elle peut être malade, elle peut être ce que l'on veut. Elle frappe. Alors, je me demande si j'ai bien fait de le mettre là, celui-là. Alors, est-ce que j'ai bien fait de le mettre là? Allez, je continue, j'en mets que des petits. Voilà. Ah bah sauf quand tu dors, oui, bien sûr, Noël. Et puis je vais en mettre 5 parce que j'aime bien ceux qui brillent. Et c'est soit 3, soit 5. Alors attendez, il faut que je regarde. Ça fait un peu bizarre sur mon étiquette. Ça fait un peu bizarre. Je vais en mettre un quand même. Dans les fleurs, voilà. Et voilà notre petite carte clean and simple qui brille aussi bien de bling bling que de poudre à embosser. Et voilà. La technique du résiste n'a plus aucun secret pour vous, les filles. Je range. Si ça... Ah ben non, je suis bête. Voilà. Bravo à vous, les filles, de me supporter tout ce temps. Ah oui, un peu, oui. Christelle, tu as raison. Merci Brigitte, c'est gentil. Aurélie dit brillant. Il y a du retard dans l'air. Voilà cette petite carte, toute simple. Ah voilà, là j'ai bien trouvé, on voit bien la technique du résiste ici. Merci à vous pour avoir suivi ce live, un peu long pour un truc et astuce, mais bon. Voilà, on a fait une petite carte ensemble. J'attends de voir vos belles créas d'ici à mardi.
Et toutes celles qui joueront le jeu et qui auront relevé le défi auront une surprise dans leur boîte aux lettres d'ici à la fin du mois de mai. Alors, ça fait peut-être un peu long à attendre, mais voilà, je peux pas tout faire, les filles. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore une fois de votre patience avec moi et de votre participation, de vos commentaires qui me font vraiment à chaque fois plaisir. Ça me permet de me sentir un peu moins seule. Je suis un peu haute là. Voilà, c'est mieux. Oh, puis je fais des effets d'épaule, dites donc. Je vous fais des gros gros bisous à toutes et à tous. Ah oui, une chose importante, mardi, je voulais vous montrer ce que nous allons faire mardi. Bien sûr. Mardi, nous allons faire cette petite boîte, quatre tiroirs. Je vous en ai sorti un exprès. Chevalet. Voilà. Donc, je vous dis à mardi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous fais des gros bisous, essayez de bien dormir. Et je vous dis merci Christelle. Et je vous dis à tout bientôt les filles et les garçons. Bisous, bisous. Alors, si une petite précision, je ne veux pas vous quitter ce soir. Hein. Je ferai un tiroir avec vous, mais les autres tiroirs, je les ferai avant le live, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. D'accord? Parce que, outre les tiroirs, il y a les étuis des tiroirs. D'accord? Allez, cette fois, je vous dis à mardi. Je vous fais des gros bisous. Merci encore à vous de me suivre et à tout bientôt les filles et les garçons. Alors j'essaye d'éteindre, voilà, j'y suis. Bisous à tous.